Si c'est opposition qui a gagné bataille là. Quel gagne? Quel gagne et puis permettre que promettre que ou a gagné n'a gagné, y a Haïti qui prospère. Et que c'est Haïti qui a gagné. Et c'est Haïti qui a gagné. Ouais. Si c'est Jovenel Moïse PHTK qui a gagné bataille là sous opposition, quel gagne? Mais seulement il a promettre que demain matin, OK, il a fait mieux et que n'a gagné Haïti qui prospère. Prospère. Ou Haïti côté chaque monde capable vivre la donne. Correct. Pour mal propre, peut-être que la donne là pour ne pas arrêter la donne, madame, monsieur, pour nous sortir tête nous la donne. Ça, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas engagé ni matin débat ni radio éclair. Non, correct. Ok? Mais son bataille politique qui est là, et bataille politique ça, c'est tout civis, point ne fait pas, moraide. Je vais quitter vous, c'est pour quitter pour moi. Vous ne pas ça? Quitter vous, c'est pour quitter pour moi. Et Joseph Lambert, d'entrée de jeu, je suis entré dans la situation. Non, mais écoutez, Joseph Lambert. La prenez le dialogue national. Ben oui. Le 4 février. Il annonce la mise en place du dialogue national. Très bien. Quoi qu'on dit, oui? Mais comment bien, madame, monsieur? Donc, dans la bataille, c'est ça qui est plus intelligent qu'à passer. Claire. Parce que le peuple a fait le clair, je dis là. Et l'international, jusqu'à présent, ils ont été tête faite sur le dossier Haïti. Ils attendaient tout son de cloche. Jusqu'à présent, semaine, ça a regardé qui ça, Haïtien. A fait entre eux. A fait entre eux. Yo même yo connaît comment est capable d'aborder des questions. Mais vous connaissez le quoi? Me senti la main du blanc dans le dossier dialogue national là. Non mais écoutez, le sénateur Joseph Lambert, d'ailleurs il était dit le jour même de son investiture comme président du Sénat, dans le cadre de son discours, il était dit que il peut aller vers le dialogue national. Ouais. Maintenant, dans le contexte nous qu'on y a là. Lambert, comme sénateur de la République, président du Sénat, contexte à vie de Joe Favel. Claire. Si effectivement, il y a une chance pour joindre des alliés, ok, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau du pouvoir, parce que je dis, du centre-gauche. Du centre-gauche. Centre-droit. Centre-droit. Ouais. Ouais. Parce que je dis, madame, monsieur, un discours de dialogue national, eh bien là, bienvenue devant Blanc. Rassembleur. La vie de Baritagou, son rassembleur. Ouais. Maintenant, c'est qui j'ai pas faire avec qui moun n'y pas le café comme allié, madame, monsieur. Maintenant, même, mit la population tout. Ok. La population, ben, à l'on souffle. De bien. Majorité, moun qui pas vle dialogue là. Parce que moi, m'attends de moi-même, diverses organisations populaires qui vle dialogue. Qui n'a opposition, des organisations populaires qui t'a appuyé opposition. De bien. Qui prêt pour le dialogue. Tel Wesley. De bien. Qui prêt pour le dialogue. Oui. Prenez le dialogue. Justement. Parce que vous bouquez. Yo bouquet. Yo bouquet prend balle. Yo bouquet prend balle caoutchouc. Yo bouquet prend gaz lacrymogène. Correct. Yo dit yo bouquet. Correct. Yo dit yo pas capable de chiter dans le boulot de caoutchouc vient tourner. Donc, madame, monsieur, nous, le dernier est fondamental. Nous, notre dernier cafoua là. C'est le dernier bataille là. Est-ce que Jovenel Moïse peut faire tête raide? Si Jovenel Moïse fait tête raide, opposition fait raide. Dépendamment de résultat de dialogue là tout. Ah ouais. Ok, faut-il camper là, Isaac César? Nous parler donc dans nos pays. Et jeudi et mardi, jeudi lundi 1er février 2021. Wesley, comment nous y est? Bonjour Louko, je connais est-ce que m'a bien passé là? Ouais, bien passé, ouais, bien passé. Comment nous y est? Ça qui passe? Comment au bon cap levé matin? Bon, nous avons dit bonjour Louko, bonjour Isaïe, et nous avons dit Orlando, merci. Et puis côté député, nous avons salué député, et puis nous avons dit bonjour à tous auditeurs, auditrices ce matin de Baro. Bien, bon, comment au cap levé matin? Jeudi lundi qui c'est 1er février à là et au cap là levé de façon yon parti dans au cap là a fonctionné yon l'autre parti pas fonctionné nous té démarré ça nous du côté de Carrefour aéroport on connaît au cap très bien loco et puis nous té bay direction pour centre-ville pour me capable dire on l'arrivé dans gare routière l'autre bord pour un ou jeune machine même les li au ralenti li pas en grande quantité gens ça connait a. Okay. Mais gen machine k'ap bake pou ale wana met pou liberté autre limonade milo tout ça o mais immédiatement ou kite gaoutse a ou rive sou pont bagay la change parce que depuis sou pont on gen caoutchouc k'ap boule et bouteille a broyé jusqu'à se ou rive attaquer la fossette parce que jusqu'à maintenant ou pral jwenn la fossette et gen barricade dans zone la fossette caoutchouc continue à bouler tout dans point Saint-Marie et puis ils ont été rivé dans zone cité Lesco et dans zone cité Lesco côté te gen caoutchouc qui t'a boulé pour le moment et caoutchouc fin boulé pour qu'on gagne l'autre mais pour question trafic là ou capable de ces bruit moto seulement
ou tande nan l'aria avec Timoto 3 ou. Ok, ok. C'est moto 2 ou avec Timoto 3 ou jwenn nan l'aria, mais ou pas jwenn camionnette nan l'aria vraiment et kap fè trafic. Après ça, Jean, ou konwè des fois kon pa gen machine ou jwenn moun en grande quantité et a kap fè route la pied. Nous pas jeune ça et je dis à dit tout c'est que est-ce que gagne l'école cap haïtien, est-ce que business commerce ouvert cap haïtien? Non, pas gagne question l'école là, ça va fonctionner dit tout louko et ça va fonctionner et banque pas ouvert, mais c'est quelques maisons transfert et qui a fonctionné. Très bien. Quelques maisons transfert qui a fonctionné, gagne aussi un seul porte et qui ouvert, c'est que écoutez son seul porte qui ouvert, c'est pas tout côté bagayo a fonctionné. Et puis nous gagne tout dans zone l'autre bord barrière, l'autre zone sans raison quitté zone ça et gagne barricade et gagne carotte et puis roche cap voyer et toujours. Eh bien d'accord. Après ça, l'autre formation qui gagne louko dans zone la fosse cette matin et pendant machine BLT ça t'a passé et à cause de gagne barricade, bouteille t'a tiré, carotte t'a boulé bien. Monsieur Sao qui t'a fait usage des balles réelles, et bien, il y a une fille enceinte qui arrivait à atteindre un projectile. Allez, malheureusement. Alors, la police fait usage de balles réelles matin? Balles réelles matin dans zone la fossette. Zone la fossette. Donc, il y a une madame qui prend balle? Qui prend balle, malheureusement, c'est une dame enceinte. Il a été fait direction l'hôpital en Smavel. Côté l'hôpital qui est arrivé, l'hôpital là, elle est arrivée faire 10 villes. Mais okay. Jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas avoir une identité d'âme vraiment, parce que tout le monde. C'est vraie information là que mon arrivé mouri, mais tout le monde nous a demandé un petit champ parce que la police a viré dans toute la ville là avec un peu de force qui a paré ton côté stable. Ça nous fait depuis un petit groupe d'assemblée où il y a la police, il est obligé de courir. Parce que nous ne pouvons pas avoir une identité. Eh bien d'accord. Merci Bill aussi. Donc, restez sous place. Si en plus, on va faire un connaît. Eh bien, pas un problème. D'accord, merci Bill. Voilà. Donc, cap haïtien. Eh bien, l'information c'est que maintenant. Donc, et dans le cadre de journée de grève sans et la police et dans échange avec la population t'a tiré yon madame enceinte, yon femme enceinte, yon pas arrivé donc qu'on a identité donc madame ça jusqu'à présent et dans mené fille à l'hôpital, et bien fille a mouri donc avec tout le monde donc dans ventre li donc matin dans zone la fossette donc dans cap haïtien. Donc grève là t'as censé respecter donc cap haïtien et business pas ouvrir et seulement sinon que quelques maisons de transfert et puis l'école pas fonctionné donc nous on a dit que grève pratiquement donc respecté au niveau du cap haïtien. OK, on allait. Maintenant, nous allons parler avec monsieur Dario Syriac, porte-parole de l'OPL. Qui ça qu'a fait dans moment? L'opposition finalement je nous entente entre eux. Et seul monde qui bassien c'est parti famille Lavalas et César. Mais tout reste opposition nette, je viens nous entendre. Sous un accord que y a finalement paraffé maintenant entre eux. Ouais. OK. Et nous allons parler avec Dario Syriac pour nous connaître qui ça accord ça lui-même lui dit, probablement nous allons parler avec député Aoudo Bien-Aimé. Donc c'est ça. Et parallèlement, il y a donc le sénateur Joseph Lambert supporté par le sénateur Youlet Antu qui a initié une démarche de dialogue là dans le moment. Tout ça c'est vers 7 février 2021. Pas oublier que aujourd'hui, nous c'est lundi 1er février 2021, était 6 jours. Est-ce que dans 6 jours-là, opposition a déjà un kembe la ou ya pour montrer international là que peuple là, OK, li adhéré à mouvement yo. Deux, sur le plan structurel, entendre yo avec tout parti yo. OK, et puis chercher allié au niveau international, convaincre international là pour 7 février dans cadre objectif yo là maintenant. Donc, tu es capable de venir départ, président Jovenel Moïse, et puis installer un gouvernement de transition. Je veux dire, c'est lundi. Est-ce qu'il y a bien temps de faire ça? Je dis avant dimanche, qui c'est 7 février 2021. Ah, c'est la grande question. Nous allons parler avec M. Dario Syriac, et puis garder éventuellement, et tout à l'heure, et question, manifestation, ça qui passe hier dans la rue, donc à travers le pays. Ensuite, nous allons aller port de paix sur question carnaval, et puis ensuite, nous allons aller dans Jérémy. Donc fanatique nga dit partisan Guy Philippe yo yo t'a mandé la libération donc pressé donc Guy Philippe donc c'est sûr que nous allons gagner tout détail avec attendez une minute et avec Amaline Charles nous allons parler avec monsieur Daniel Syriac donc de l'OPL
les mêmes qui chargé pour justement donc et parler dans la presse sous question accord que ensemble les partis de l'opposition t'a joint et madame monsieur donc avant le 7 février 2021. Monsieur Daniel Siriac, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat et comment vous êtes? Beaucoup de désir, bonjour Isaïe et César, mon ami, et bonjour à Pierre Martin Tatout, m'attendre le matin. Je salue toute l'équipe là et moi dis bonjour à tout auditeur et auditrice qui attendent nous dans le moment. Finalement, il y a une proposition unique pour l'opposition, également un accord. Définitivement, et c'était un défi à relever. Donc, c'est un bébé qui était difficile pour y accoucher. Mais finalement, accouchement fait, c'était samedi 30 janvier 2021. Alors, m'a précisé pour vous. Mm-hmm. Accord là, les signes samedi. Samedi, très bien. Mais c'est hier, dimanche là, 31, que l'y présenté à la presse, l'y officialisé. Mais c'est un accord qui signe depuis samedi. Ok, ok. On nous garde des propositions plus à quoi? Et sa proposition est? C'est l'accord même. Oh, c'est l'accord même, très bien. Attention. Donc, qui ça accord là lié? Et tout d'abord, c'est un accord qui prévoit et la création rapide d'une commission nationale de transition de 15 membres qui a gagné pour mission pour le travail sous désignation président transition, premier ministre transition et les membres du gouvernement de transition ainsi que les membres d'un organe de contrôle de la transition. Donc, commission ça a gagné 15 membres la dernière. 7 absoutis dans la société civile organisée. Et dans la société civile organisée, il y a gagné un comité suivi déclaration 21 août là, qui a gagné et un membre parmi les 7, et puis gagné 8 absoutis dans la classe politique là pour former la commission ça. Donc, immédiatement, la commission a fini formée et l'a mettre au travail pour désigner disons, les dirigeants de la transition, moi précisé, président de transition, premier ministre, là, avec membre gouvernement, yo, ainsi que membre et organe de contrôle transition, qui est les OCT. Et puis, mission a été prend fin parce que, une fois les fins désignées, tout ça, donc, le pouvoir est formé. Donc, mission libre à fin. Maintenant, président transition a gagné dans les 15 jours qui suivent l'installation libre pour lui convoquer la conférence nationale souveraine. Eh et conférence nationale souveraine, non? Donc, c'est conclusion et conférence nationale souveraine non? Qui pourrait aller et déterminer grande orientation pays. Et maintenant, pour me résumer pour vous et rapidement, pendant la conférence nationale souveraine en lui-même, li en préparation, li a fait, mais le pays a gagné pour li en chantier sur les grandes réformes, notamment rétablissement autorité de l'État, c'est-à-dire rendre le pays vivable, et pour rendre le pays vivable, c'est et fait que institution républicaine yo retourné nan droit yo pour pays a tourner yon état de droit au lieu de yon état de fait au lieu de yon état côté c'est et gang armé qui censé a fait la loi donc nous gagnons et accord là donc li est posé des balises qui pour faciliter le retour à l'état de droit. Et puis, durée transition, à quoi dit-il clairement, donc c'est pour 2 ans lié, mais il y a une feuille de route qui est très serrée, qui gagne 37 points la dernière, et qui pour exécuter, et à travers feuille de route, ça, il y a les grands chantiers. Grands chantiers, qui c'est tout d'abord chantier de mise en place à l'issue de la conférence nationale souveraine, très probablement de une assemblée constituante qui pour ban nous une réforme constitutionnelle ou une nouvelle constitution
et grand chantier a également après nous fin gagner une nouvelle constitution. Donc ces chantiers mise en place de un organe électoral qui crédible et qui consensuel, donc naturellement et qui émane de œuvre accord là, qui a créé toutes conditions pour que élection générale capable réaliser dans pays a dans fin mandat pouvoir transition pour que au bon début de l'année 2023 pays a levé avec un pouvoir constitutionnel légitime qui sortit dans l'élection. Eh bien, quelle est donc la position de Famille Lavaras dans tout ça? Nous mal placés pour nous dire position Famille Lavaras. Non, par rapport à l'accord, est-ce que y en a quoi? Non, quittez nous répondre. Allez-y. Tout d'abord, moi au courant que direction politique opposition a été écrit Famille Lavaras. OK. Il était invité Chita pour être capable de discuter de ensemble de propositions qui gagnaient et bon parce que Famille Lavaras bien propositionné qui reposait sous gouvernement de salut public. Donc Diopod t'est voulu et croiser proposition par là avec pas Famille Lavaras ainsi que d'autres propositions qui émettent dans la société. Mais malheureusement pour une raison ou une autre Famille Lavaras pas été répondre dans le sens qui était facilité rencontre qui fait vraiment mais et tout le monde reconnaît droit Famille Lavaras comme parti donc lui-même qui capable gagner une position unique et puis l'autre désir il faut le dire clairement. Et dans toute démarche, dans toute recherche d'accord et de solution, dans aucune société, pas jamais gagné un accord qui gagne 100% de monde là-dedans. Ouais, c'est clair. Donc, c'est clair. Le fait que Famille Lavaras n'est pas signataire accord là, nous pas croyons que c'est une mauvaise chose et nous pas croyons que personne monde autorisé pour condamner Famille Lavaras pour ça. Très bien. Ce qui est certain, donc l'accord qui a été paraffé samedi, c'est un consensus qui est très large, qui réunit ou t'as capable de dire à plus de 80%, donc la société politique et la société civile organise. Et pour nous expliquer ça, Nabdou, rapidement, là on prend Diopod, la direction politique de l'opposition qui regroupait des partis politiques majeurs, donc sous prend opération tête ensemble qui gagnait et ensemble de acteurs politiques et une quantité d'organisations politiques de la société qui regroupait en dernier, gain FND qui regroupait un ensemble de et entités politiques également, gain petite des salines et qui n'est encore là qui vaut sali voix et puis gagnait et comité de suivi déclaration 21 août là qui c'est partie prenante et signataire de l'accord là et wap songe que les pour déclaration 21 août là les mêmes n'était signé c'est plus de 300 organisations de la société civile et avec partis politiques certains partis politiques qui étaient paraffés et les parties prenantes dans l'accord là je veux dire donc ça veut dire c'est un accord qui reflétait largement la représentativité de la nation. Très bien. OK, et quelques précisions. Côté Premier ministre a sorti, qui bon président a sorti? Et à quoi a tracé schéma que Premier ministre là premier côté à quoi a prévoir pour aller chercher Premier ministre là, c'est dans la Cour de cassation. Et CNTA a gagné pour lui aller étudier dossier et donc Cour de cassation c'est pour le président. Pardon? Cour de cassation, c'est pour le président? Oui, pour le président. Donc, mais il n'y a pas que la Cour de cassation. Accord là prévoit tout. Donc, au cas où tu as une difficulté, CNTA, l'IPATA arrive à désigner président dans la Cour de cassation. Donc, travail CNTA à étendre et sur le pouvoir, l'IPRA le gagne pour l'y apprécier, pour l'y juger. Donc, parmi les pouvoirs, le pouvoir qui est régulièrement constitué. Donc, maintenant qu'on est là pour aller chercher le cas échéant
et président là également, ou bien donc à travers toute formule institutionnelle concertée. C'est ce qui est dit dans l'accord. Maintenant, pour le premier ministre, premier ministre là, lui appelé sauti, soit dans la société politique là, ou bien dans la société civile là. Donc, et encore la prévoit, ils ont éventail, ils ont liste de 7 moun pour pipiti, qui capable non liste côté où aller chercher, premier ministre là. Il y a 4 politiques là dernier, et puis 3 de la société civile organisée, donc, qui pral proposer et par des institutions politiques et des institutions de la société civile. Très bien. Maintenant, et son question de temps. Et je dis à nous sommes au 1er février 2021 et na tout ça qu'on élaboré là et commission et plus et choix Mounio et est-ce qu'on a bien arrivé à 7 février 2021 le temps presse, il est vrai, mais nous pas quoi que avec la volonté politique, avec la détermination donc des acteurs signataires de l'accord, nous pas quoi que tant trop petit. Donc, on continue, on travaille d'arrache-pied, donc pour que le plus vite possible la CNT soit constituée et soit mise au travail. Donc, pour lier avec célérité fait travail par là et by résultat. Donc, et puis pour et application encore là, il commence à faire étape par étape. Très bien. Merci en pile, monsieur Sigak. Merci en pile. C'était un grand plaisir, Louko Désir. Son plaisir, merci un peu. Voilà, donc c'est donc M. Daniel Siouyak, porte-parole de l'OPL. Alors, je ne suis pas propice pour me poser une question. Oui, oui. Mais j'espère que l'opposition, j'aimerais mettre tête ensemble là, pour capoter Jovenel Moïse, pour mettre tête ensemble, les élections, pour choisir un candidat. Pour choisir un candidat unique. Ok, c'est une question ça pour l'opposition, pour M. Dir Podio, pour M. Opposition, parce que l'important, pour que je ne le dise là, pour l'opposition, son seul bloc. Okay? Son bloc. Parce que ce n'est pas possible pour virer tourner. Et donc, chaque jour, nègre, débat à la fin de fête. Il y a un seul objectif, vous le président aller. Le président final aller, et puis vous gagnez. Très bien. Ok. Gagne, et puis vous n'avez pas fait 5 voix. Et puis après, vous allez garder pour vous. Puis acheter quand vous allez tourner au pouvoir. Très bien. Waouh. Très bien, très bien. Au clair. Ok. En nous récapituler, donc, pour. Ou même qui c'est auditeur, émission matin débat. Nous t'a parlé tout à l'heure de ça qui gagne là sous table là. Il y a une question mobilisation qui là. OK. Il y a la question du dialogue national qui là avec sénateur Joseph Lambert. Et puis il y a la question de l'accord. Il y a trois bails ça là cadre là. Jusqu'à présent, ou même qu'a regarder c'est que opposition comparativement au temps du pays loc pas mettre même quantité de monde dehors. Mais on est d'accord. Mais on est d'accord, Isaïe. Opposition, pas mettre même quantité de monde dehors. Autant du pays là. C'est pas même quantité de monde. Non. Opposition, pas mettre dehors. T'as bien? C'est pas même quantité de monde. Mais cependant, les mobilisations de l'opposition sont très significatives. Claire. Même si il y a un nombre de monde restreint. Ouais. Comparativement. À tant pays l'autre là. Si vous n'avez pas opposition arrive fait, également Kembe, c'est que jodi, si cause de peur là, non mis en population, de quoi jodi, c'est toujours de mise. Ça m'a pas menti. On regarde des messages d'opposition donc sur les réseaux sociaux, c'est des messages vraiment qui ne doivent pas prendre la ria. Parce que, et pas de manchette, pas de couline, pas de coupe tête, pas de boule de caille, pas de choukaille, et ça, fait que grand pile monde qui peut. Mais pas bon pour proposition. OK. Maintenant, comme c'est nos batailles, tout TV ça, c'est là dans nous et là dans le moment on a parlé là. Donc nous-mêmes nous là pour analyser et c'est ça je dis à Gadi qui c'est paquet d'opposition. Maintenant qui ça fait avec ça? Déjà sur la question du dialogue, la démarche initiée par le sénateur Joseph Lambert, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, est-ce que la parole qu'a joindre toute nèg opposition avec elle à ces premières batailles là. Deuxième bataille là, il y a la société civile. Il y a l'international. Et quand même, comme le Cobalbre, il y a donc en fait. Une partie du pouvoir. Oui. Parce qu'on a parlé de dialogue, parce que dialogue, c'est le truc qui vous inclut. Oui. OK, ça c'est une. Maintenant, la démarche de l'accord.
Nous sommes de la monsieur Daniel Syriac. L'éclair, la valas pas signé à quoi? Non, la valas pas n'a pas à quoi, mon. La valas ou même son bloc lié. Madame, monsieur. Mais, n'a pas le de qui est ça? N'a pas le de Jean-Bert Aristide? Jean-Bert Aristide. L'ancien président. Ok, mon frère. Ouais. Et tu n'as pas le de gros politicien dans le pays, hein? Claire. Qui raison la valas fait que le pas signé? À quoi opposition vous dit là? Son gros bagarre. Attendez, très important. Qui raison? Est-ce que le fait que la valas pas signé à quoi là? Est-ce que le cas dérangé en fait tout ça opposition a fait là aujourd'hui là? Ah, parce que pas oublier que on a parlé là de famille la valas, on a parlé de Jean-Bertrand Aristide. Un ancien président de la République qui vient avec lui tout des amis internationaux. Et de ça on a parlé là madame monsieur. Maintenant pour ça Daniel Syriac raconter matin, il y a quelque chose faire monter commission de 15 membres qui a sorti dans ce civil se d'organiser. Après ça après elle choisit parmi 5 noms. Président avec vice avec premier ministre. Madame monsieur, moi même Lugo Desi qui a parlé jodi a, on pas croire que jodi lundi 1er février 2021 tout ça monsieur gain là sous table là, il y a gain temps paré pour 7 février 2021. Elle dit a fait bail 7 février. Attends tout cloche Lugo Desi. Madame monsieur, a fait bail 7 février. En fait, le 7 février, l'opposition qui a mis le journal Moïse de Yoa, il n'y a pas de préparer. Claire. Parce que madame, monsieur, n'a pas le droit de l'opposition. Cela leur a pris 3 ans pour finalement revenir à l'autre accord. Il y a eu un gros accord déjà. L'accord de Mariotte, nous songez? Il y a eu un gros accord déjà, oui. L'accord de Mariotte 2019. Oui. Jusqu'à présent, je dis à côté de l'accord Mariotte là. Le mélange, ils ont fondé ensemble. Maintenant, ils ont fini en tant 21 août là. Ouais. Avec Lionel Touyo. Ouais. Mais qu'on y a un accord. Ils ont fondé ensemble. Accord janvier 2021. Ouais. Mbaba nous menti, nous, combien de temps ça prend pour entendre yo? Tout ça, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on entend yo vrai tout? Parce que, selon l'information que j'ai, Moïse Jean-Charles, pas d'accord. Question jugée à la Cour de cassation. Attendez, moi, il n'a pas fait Cour de cassation. Alors, demain, il a fait de. Et il parle de. Instance judiciaire. Ouais. Il dit que nous allons aller donc, dans le système judiciaire. Système judiciaire. Donc là, selon. Soit comprendre ça, ou dans tout. Il te dit qu'il va dans le Cour de cassation. C'est Sylvestre. Ouais. Il dit Cour de cassation, c'est qui est-ce? Sylvestre. Vous connaissez Sylvestre? Oui. Maintenant, notre démarche opposition, il va faire de cassation, il y a un problème. Qu'on a redonné les médias lui-même, nous parler dans le système judiciaire là. Ouais. Qui c'est CSPJ? Qui est encore? Qui c'est Sylvestre? Sylvestre. Vous avez dit que, je ne pas tellement croire que l'opposition est capable de entendre entre eux-mêmes, sous ça, ils ont dit, il y a fait là, de y a, ils viennent à quoi? Formidable, ils ne pas signer. Entre aujourd'hui, qui c'est lundi 1er février 2021, à dimanche 7 février 2021, comprenez bien, puis on convainc blanc, sous ça, ils ont sous table là. Et puis, peut-être que Jovenel Moïse. Mais ça n'est pas. Et puis, il a monté un gouvernement de transition, madame, monsieur, dimanche demain. Moi, je ne sais pas. Samedi. Samedi. Dimanche 7 février. Gouvernement supposé monter samedi. Oui, monter samedi. Dimanche matin installé. Oui, installé. Palais national. Moi, je ne sais pas. Comment on parle pour ces deux Jovenel Moïse? Donc, 7 février, gampil, chers, madame, monsieur, pour nous voir Jovenel Moïse qui était là. Non, Louko. On n'a pas analysé, oui. Jovenel Moïse comme président de la République. C'est président, lui-même est clair. Il a une bataille politique avec des groupes. Il a lui-même l'a prêté. 7 février 2022. Mais nous-mêmes, nous avons analysé nous-mêmes. Sous ça qui est là, sous table là, je ne sais pas comment M. l'opposition a bien organisé. Puis tu es arrivé, fin fait toute bagaille net pour tout le monde d'accord avec yo. Et puis pour samedi 6 février, samedi 2 mai, là, pour le gouvernement de transition, tu as monté pour 7 février, tu as dit Baba Jovenel Moïse. Moi, je pense que tu n'as pas bien temps. Pas bien temps ça. Donc, en pile chance là, j'aime dire nous là. Ok, pour 7 février, d'après l'analyse que nous faisons là, elle me dit en plus de chance, Jovenel Moïse, clair lui-même comme président, lui-même dit tout clair, lui là pour 2022, ça sont l'autre bagaille. Mais nous-mêmes n'avons pas analysé. Jean situation est là, lui paraît clair 7 février, Jovenel Moïse a prêté sous pouvoir. Par contre, bah, tu l'as compris. Vous avez dit ça devant là? Non, mais à moins que si tu as des causes, si tu as des causes, tu vas réfléchir. Là, nous-mêmes nous analyser qui est l'opposition pour le temps. Entendre yo sur tout ça qui vient pour faire tout là. Monter commission de 15 membres.
Dans 15 semaines, il y a 7 membres qui sont de ton côté. Il y a 8 membres qui sont de l'autre. Qui bon là? Je dis à vous. Après ça, pour aller chercher, on prend un ministre avec un président. Non, mais il y a 5 mounes. Regardez quoi c'est, madame, monsieur. Qu'on a pu monter un cabinet ministériel. Qu'on a pu convaincre international à Zouli. Pour que nous allons monter samedi. Je dis à lundi. Et lundi. 1er février. Lundi matin, 8 février. Hein? Et dimanche matin, 7 février. Pour le président, prêter serment. Oui. Prêter serment. Prêter serment. OK? Donc, on nous suivre pour nous. Ça, c'est analyse que nous avons fait à partir de ça que nous avons sur table comme fait. Comme information. Et où est Formula Valas dans tout ça? OK? Où est Formula Valas? Écoutez, madame, monsieur. D'abord, nous même Formula Valas. Comme si vous m'avez monté dans le pays pour Formula Valas. Comme si vous gouvernement pas monté dans le pays pour Formula Valas. De transition. Est-ce que vous voulez me dire? Est-ce que vous voulez me dire? On a les mon frère. Vous voyez un petit frère, je dis, dans l'accord là. Et président qui a passé dans. Oui. Alors, voilà. Dans l'accord là, madame, monsieur, surtout de monsieur Syriac qui dit que. Président qui ne doit pas sortir dans le cours de cassation. Vous voyez ça? Bataille pirède. Et c'est Jean-Bertrand Aristide qui m'a demandé pour la guerre de Tifa Zabouli. Tifa Zabouli? Oui. Elle dit, le capitaine d'Aristide d'où? Président? Oui. Oh, mais. Elle sort qui m'a investi. Mais elle va se passer à quoi? Eh bien, samedi. Président qui ça? Eh bien, comment? Vous passez à quoi? Oh, mais, ben non! Parce que. Si elle tient à quoi, elle n'est pas capable? Hein? Attention! Ah, voilà. T'es chargé. Où donc vous allez là? Non, non, mon gauche. Ah. Sont très bonnes remarques, madame, monsieur. Maintenant, il n'y a que d'attendre. Je dis assez, lundi 1er février 2021. 21. Ok. Dans la manifestation, moi, je vais vous dire que je dis, il prend responsabilité. Claire. Et c'est comme Nadou Moïse, sénateur Moïse Chachal, où que bateau a coulé, lui-même, il va taper la terre. Ouais. Mais lui, son joueur est intelligent, tout. Est-ce que le sénateur Moïse Chichal pas connaît qu'on va avec la fête? Est-ce qu'il pas connaît qu'on décision qu'il prend, il pas t'en aimé que cette pas fête là? Pour prendre dehors. Il fait son lit. Et l'obligé qu'un bébé ton hein, pour le gagner quand même, pour le pas gagner, pour le pas gagner une part du gâteau négligeable. Pour le gagner une très bonne part du gâteau. Ouais, well, t'es bien, madame, il était contre la manifestation en dehors de pays, hein? Oui. En dehors de Port-au-Prince. De Port-au-Prince. Ou elle débarquait dans la capitale là. La capitale là.